Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier, à savoir le H550 TG ARGB de Thermaltake. Un boîtier assez joli car en aluminium sur la face avant avec de l'aluminium brossé qui intègre aussi des petits laser cuts. On a également un petit peu de RGB sur la face avant ici, vous allez le découvrir plus tard dans la vidéo. On a également un ventilateur de 120 mm ARGB à l'arrière, un châssis qui est compatible ATX, un panneau en verre trempé sur le côté gauche et un châssis qui se veut moderne, le tout pour un tarif de 89 €. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à la découverte de ce H550 TG ARGB par Thermaltake. On commence avec les tech specs. On est sur un boîtier qui est compatible ATX, micro ATX, ITX. Il mesure 441 mm de profondeur, 225 mm de largeur, 472 mm de hauteur. Il fait 7,6 kg exactement. Passons maintenant dans les détails avec tout d'abord la face avant. La face avant qui présente un grand plaquage aluminium, c'est brossé. On a des laser cuts sur les côtés, c'est juste très joli. On a ici une petite bande de plexiglas qui veut dire qu'on va avoir du RGB à ce niveau-là. Dans le bas, on a une partie en plastique sans ouverture. Et sur le côté droit, on va avoir cette grande grille qui va permettre d'alimenter le boîtier en air frais via l'avant de ce dernier. Sachez que on retrouve un petit mesh derrière pour pouvoir filtrer le tout. Bien sûr, ça s'ouvre, on tire comme ça sur la face avant. À l'arrière, on retrouve l'aluminium et on a une grande grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. C'est également compatible radiateur de water cooling en 360 ou 280 mm. Sur le côté gauche, on trouve un grand panneau en verre trempé qui est monté sur une structure acier qui est donc maintenue avec deux vis à main à l'arrière. On remarque que les pourtours sont intégralement peints. Du côté droit, on retrouve également un panneau, mais ce dernier est simplement en acier. On passe maintenant sur le dessus de ce H500. On va tout d'abord avoir le power on, le bouton de gestion du RGB, le reset, les diodes d'activité, les entrées-sorties audio, deux USB 2.0, un USB 3.0. Plus en arrière, on retrouve un filtre en mèche plastique aimanté qui protège une grille, grille qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, on est sur une compatibilité en 240 mm maximum. L'arrière présente une grille équipée d'un ventilateur de 120 mm RGB. On pourra régler la hauteur du ventilateur sur 4 cm. C'est également compatible à ventilateur en 140 mm. On a ici l'emplacement de la plaque EOShield de la carte mère. On a 7 plus 2 slots d'extension. Montage par vis classique. Les slots sont équipés de caches, des caches qui sont non soudées et ajourées. Enfin, dans la partie basse, on retrouve l'emplacement de l'alimentation avec des petits rubbers en caoutchouc et en dessous un filtre amovible. On en termine de ce tour de ce H550 TG ARGB avec 4 pieds en plastique qui sont équipés de gros rubbers en caoutchouc. Enfin, on a le filtre ici, filtre qui est amovible à base de mèche textile et qui s'en va par l'arrière du boîtier. On découvre maintenant le châssis de ce H500. On remarque tout de suite le large accès backplate, les trois passages au centre. On a également des passages dans la partie haute et on a ce grand cache alimentation avec trois passages dans le fond, un passage à l'avant, une grille, un support pour un riser et un passage à l'avant pour un système de water cooling et ici une petite fenêtre pour pouvoir admirer sa carte mère. Si on passe à l'avant, on va remarquer qu'on a une grande grille qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, on sera sur du 360 mm maximum et c'est également compatible 280 mm. Si on passe à la partie arrière, on va retrouver un ventilateur de 120 mm qui est ARGB. On va également voir 7 slots d'extension classique, 2 slots d'extension à 90 degrés. Enfin, dans la partie basse, le support, l'emplacement de l'alimentation avec des petits rubbers en caoutchouc. Sans plus attendre, on passe dans la partie haute de ce H550 où on va avoir une grille qui est protégée par un mesh aimanté. La grille est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, on sera en
Une fois 240 mm maximum, pas de compatibilité avec le 280 mm. À l'arrière du châssis du H550, on va retrouver un large accès backplate, trois passages dans le haut, trois passages au centre, un passage au milieu vers la partie avant. Dans la partie basse, on va retrouver l'emplacement pour l'alimentation avec des petits rubbers en caoutchouc et une cage HDD SSD qui pourra accueillir un disque dur mais aussi un SSD. La cage à destination du disque dur est également compatible 2,5 pouces. On pourra donc monter un disque dur plus un SSD dans la cage ou alors deux SSD dans la cage. Et on a également deux autres braquettes ici pour pouvoir monter deux SSD. Sachez que les braquettes, vous pourrez les monter sur le cache alimentation si nécessaire. La cage HDD est intégralement amovible si nécessaire. Si vous voulez mettre du radiateur de water cooling plus conséquent, par exemple, vous pourrez. Et vous pourrez aussi l'avancer en cas d'utilisation d'une grosse alimentation. Elle sera également entièrement démontable via la vis à main. Enfin, ici, on a le PCB RGB fan, c'est-à-dire qu'on va avoir la gestion du ventilateur arrière qui se fera via ce module, mais également la gestion des différentes LED via ce module et le petit bouton qui se trouve sur le dessus. On passe maintenant au H550 avec la configuration montée à l'intérieur. Vous l'avez vu, on a décidé de mettre la carte graphique à 90 degrés puisqu'on a un support pour un riser. On a utilisé notre riser Thermaltake. La compatibilité est donc absolument impeccable. Ça se monte hyper facilement. Attention toutefois, vous voyez, ça remonte la carte graphique de pas loin de 5 cm. Ce qui fait que si vous avez une carte graphique qui est vraiment très haute, nous on est déjà à 2,5 cm au-dessus de l'équerre. On vient contre le ventirad CPU. Alors, ça bouge encore un tout petit peu, mais il y a vraiment très très peu d'espace. Autrement, on va trouver 5 cm dans la partie haute. Vous le voyez ici, on pourra mettre du radiateur de water cooling en 360 en push-pull. Attention toutefois à la longueur de la carte graphique, puisque vous voyez, on vient vraiment en limite du passage. On vous donnera bien sûr toutes les spécifications techniques et les limites dans le test complet qui sera apparaître sur cocotteland.com. Le montage est donc très propre, cache alimentation avec une grille. On a une petite fenêtre ici, donc si vous avez une alimentation de type RGB, vous pourrez voir votre alimentation. Si elle est équipée d'un écran OLED, vous pourrez voir votre écran OLED. À l'arrière du plateau de la carte mère, nous avons un montage qui est extrêmement propre puisqu'on a des passages au centre, des passages dans la partie haute, des dispositifs pour pouvoir installer des colliers et de la place à peu près partout pour pouvoir passer les câbles. La cage HDD, on pourra l'avancer ou la reculer. Donc si vous avez plus de câbles qui sortent de votre alimentation, vous pourrez par exemple avancer la cage pour pouvoir gagner un petit peu d'espace. La veine centrale passe avec des dispositifs de maintien pour les colliers et on va avoir ce petit PCB qui va gérer le ventilateur mais aussi le RGB. Le résultat est donc plutôt satisfaisant. On en termine de ce tour de ce H500 TG ARGB par Thermaltake avec justement le RGB. On a un petit bouton sur le dessus qui va permettre de changer les couleurs sur la barre avant, mais également sur le ventilateur arrière. Alors attention, pas sur les barrettes mémoire puisqu'elles ne sont pas linkées. Le petit bouton est tout simplement ici. Et quand on appuie, ça va tout simplement faire défiler les différents modes qui sont disponibles. Donc on appuie un peu pour vous montrer. Donc il y en a à peu près pour tous les goûts, couleur classique, couleur qui respire, mode 356 couleurs, couleur qui chasse l'une puis l'autre. Bref, on aura de quoi faire. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotteland.com pour toutes les news, tous les tests, tous les articles à propos du hardware, boîtier, SSD, carte mère, CPU, écran, absolument tout. Et sur notre chaîne Cocotte TV, pensez à nous mettre des pouces bleus, pensez à vous inscrire sur la chaîne, pensez à activer la petite cloche. Et sur ce, on vous dit à très bientôt.